Le consacre la meilleure. Il y a très longtemps, au cours d'une lutte difficile, un chef cossaque tomba dans la bataille. Il fut gravement blessé. Son abdomen l'amena dans un endroit calme, un bois près de la scène de la lutte. Le cossaque était assis le dos contre un arbre et essayait de retrouver son énergie. La situation semblait tout à fait désespérée, car ses hommes étaient complètement dépassés et la marée de la bataille devenait l'ennemi. Pendant qu'il était assis et qu'il se reposait, il vit un araignée qui tenait de tisser une toile de son arbre à un autre arbre, qui était à une courte distance. L'araignée avait presque atteint l'autre bord quand elle tomba. Heureusement, son fil l'empêcha d'heurter le sol. Elle ne se découragea pas, puisqu'elle décida de remonter. Pensa le cossaque. Quelle chose merveilleuse est une araignée. Pensa encore le cossaque. Elle continue à tisser sa toile, même si le monde s'effondre autour d'elle. Elle continua de regarder l'araignée, chaque fois que l'araignée atteignait presque son but. Elle achouait au lieu de trouver un autre endroit pour tisser sa toile. L'araignée continuait de se au même endroit qu'elle avait choisi. L'araignée avait certainement se décourager et aller ailleurs, pensa le cossaque. Ça fait maintenant 6 fois qu'elle essaie d'atteindre son but. L'araignée se ne décourageait pas. Elle fit un effort très puissant et finalement a réussi son objectif. Ça lui donnait du courage au cossaque. Si une araignée n'apparaît pas, il n'y a aucune raison pour laquelle je pourrais être faite, pensa-t-il. Le cossaque quitta et rejoignit la bataille en criant de toutes ses forces à ses hommes. Quand il le vit revenir, tout le monde garda espoir et mit sa bouchée d'ouvrir en battant soudainement l'ennemi. La bataille fut gagnée à la suite de l'effort crié d'une alliée en difficulté. Une victoire a été obtenue. Si vous ne réussissez pas, essayez, réessayez. C'était notre scène. Alors moi, voilà le cossaque pas content. Et voici le cossaque content. C'est le chef cossaque. Voici le porteur de main qui a aidé le cossaque à l'amener dans le bois de la lutte et qui s'est combattu contre les méchants. Et voici l'araignée qui a donné une leçon au chef cossaque. Et ça, c'est le narrateur. La narratrice. Et moi, j'étais la narratrice, Sarah et Laurence. Moi, j'étais la première. Ensuite, c'est Sarah. Ensuite, Ryan. Puis ensuite, Presley. Et ça, c'est le vilain cossaque. Qui a beaucoup carré. Qui a beaucoup carré et était battu par les deux cossaques. Et ça, c'est le narrateur qui était moi. Seulement. Merci! Et ça, c'est les arbres. Non. Et les fleurs. On laisse tout tomber.